Alors, moi je voulais juste faire une petite intro pour dire que nous sommes le samedi 16 octobre 2010 dans les locaux de, dans les nouveaux locaux de Saga Productions, si je ne me trompe pas. Absolument. À Lausanne. Et donc c'est Monsieur Robert Bonner qui nous reçoit très gentiment dans ses locaux. Chemin de Montélie 48 bis. Et donc on est là avec vous pour évoquer un certain nombre de. D'expérience dans votre vie de producteur. Mmh. Alors, on va commencer par le début et puis par ce qui est le plus logique. Est-ce que, Robert Bonner, pouvez-vous nous rappeler où et quand vous êtes né, pour commencer? Alors, en 1949, à Lauwerth, c'est en Suisse, c'est à Schwyz, dans le canton de Schwyz. Je suis grison par les deux parents, mais c'est là que je suis né. Voilà, parce qu'on était en route, voilà. Donc, juillet 49. Mais vous n'avez pas un accent suisse-allemand, donc vous êtes né dans un milieu bilingue? Non, du tout, non. Non, j'ai appris le français bien plus tard, oui. Je suis allé à Paris très tôt, quand j'ai eu 15 ans, la première fois, je suis tombé amoureux de la ville. Et puis des Françaises, surtout. Et puis j'y suis retourné. Et puis après, j'ai vécu à partir de 74. Voilà. Enfin, voilà, j'ai toujours vécu à Paris. Enfin, entre Paris et la Suisse. Et en gros, donc, quelle a été votre formation de base? Aucune. J'ai quitté l'école à 15 ans. Et puis, il fallait que je travaille. Et puis, je voulais d'abord faire... et puis très vite, j'ai fait un stage de photographe. Et puis, j'ai travaillé pour une entreprise qui voulait monter des agences de publicité, de mode, etc. Mes patrons n'étaient pas des très bons photographes. Et donc, c'était très compliqué d'apprendre quelque chose. C'est quelque chose d'essentiel dans ma vie que j'ai compris plus tard. C'est que si on ne travaille pas avec des bons, on met un temps fou pour apprendre. Et dès qu'on est avec quelqu'un qui sait vraiment mieux, et bien tout d'un coup, on fait un saut qualitatif en très, très, très peu de temps. Et j'ai beaucoup, beaucoup ramé à cet atelier parce que je ne savais pas et personne ne savait. Et j'apprenais pas. Pas grand-chose. Ça, c'était voilà. Où, cet atelier? C'était à Horgen, au bord du lac de Zurich. Ouais. Et voilà. Et puis, c'est là que j'ai rencontré tout de suite, ça, c'était dans les années 50. 60, 65, 66. Et c'est là que je suis allé au ciné-club, où Krebisi avait monté... un ciné-club à la Winkelriesen, un truc comme ça, au théâtre. Et puis plus tard, on a créé le Film Forum avec Krebisieber. Krebisieber est une des grandes rencontres pour moi qui avait fait ce ciné-club et où je suis devenu très vite projectionniste, etc. Parce que j'y étais tout le temps et puis que j'étais volontaire, voilà. Mais pourquoi vous êtes venu à Zurich, en gros? Vous êtes installé à Zurich assez vite? Oui, parce que enfin, nous, la famille, on a suivi, mon père était ouvrier, donc, et on a suivi les grands chantiers. Alors j'étais passé par Sion, où j'avais appris un tout petit peu de français, jeune, mais j'étais à l'école allemande, et puis il travaillait à la Grande Exance, mon père, puis après on est allé à Horgen, donc en Suisse alémanique, on est retourné parce qu'il avait un autre chantier, je me souviens plus où, lac de Constance, enfin voilà, on a suivi tout le temps les grands chantiers de mon père. Mm-hmm. Voilà. Mais n'empêche que vous atterrissez pas par hasard au théâtre Winkelriese à Zurich? Non, mais parce que parce que le cinéma, ça me fascinait, ça m'a toujours fasciné. Mm. J'ai fait des premiers petits films quand j'étais à l'école encore, à 14 ans, en 8 mm, parce qu'un copain, il avait une caméra, et j'ai écrit des romans, je me mettais des...
Voilà, j'écrivais, je me sentais écrivain. Voilà, on a fait un tout petit film qui s'appelait les Die Dornen von Eden ou un truc comme ça. Donc les épines du paradis. Voilà, d'où l'acteur était celui qui avait 18 ans parce qu'il pouvait conduire. Puis chaque fois qu'on se déplaçait, on faisait monter dans la voiture et on se démarrait parce qu'on ne comprenait pas qu'on pouvait couper d'un endroit à l'autre. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment un chef-d'œuvre, mais voilà. Donc ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Et puis je suis allé au cinéma dès que j'ai pu. Et puis évidemment aller au ciné-club, voilà, parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, parce que j'aimais ça. Ouais, mais vous aviez pas une culture de cinéphile, par exemple? Non, je me la suis faite, ouais. Petit à petit, et puis après surtout à Paris, bien sûr. Parce que j'y allais souvent, dès que je pouvais, j'allais à Paris, parce que c'était une ville voilà, que j'ai aimée tout de suite. Et puis Cinémathèque, il y avait les deux, donc Chaillot et Ulm, et la rue d'Ulm, et donc voilà, ben, j'ai passé mon temps là, et puis dans les cinémas parisiens, où on pouvait à peu près tout voir. Hein. Mm-hmm. Et à travers, je sais pas, une dizaine d'années, on pouvait voir à peu près l'histoire du cinéma. Ok. Donc effectivement, Krubi-Sieber, c'est une rencontre qui a l'air d'être essentielle, fondamentale. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, il y en a plusieurs. Vous êtes actif dans le Film Forum. Ouais. Ouais. Mais par quel biais vous êtes entré en contact avec les gens du film Copy? Parce que ça, c'est ce qui va. Oui. Alors, oui. Alors donc, oui, moi je crois que l'histoire des rencontres essentielles, je crois que Krubi-Sieber en est un. Des producteurs qui ont fait la transition entre le cinéma de Schnitter, c'est Mertens et Marty. Hein, voilà, qui ont produit eux-mêmes le premier film de Rolf Lissy. Mein Name ist Eugen, ça s'appelait. Mm. Moi, j'étais ingénieur du son. Comment vous êtes entré en contact avec Mertens et Marty? J'ai appris qu'il y avait un film qu'il allait se tourner, qu'ils n'avaient pas d'ingénieur du son. Et donc, j'ai appris où était le bureau de production. Et je suis allé me présenter en disant que j'étais ingénieur du son. Je n'avais jamais fait du son de ma vie. Et donc, ils m'ont pris. Et puis du coup, je suis allé louer un agra et puis des micros, et puis je me suis entraîné pendant 2 semaines. Voilà. Le son était catastrophique, bien entendu. Parce qu'il faut bien aussi dire que c'est pas que de ma faute, parce que c'était Walter Marty, donc le producteur, qui était Perchman. Et comme il était déjà plus tout jeune, au lieu de percher vers le haut, il tenait comme ça le truc. Et il regardait tellement la scène qu'il oubliait son micro. Voilà. Et de temps en temps, et il ne voulait pas que je regarde en plus. Et puis de temps en temps, j'entendais un bloum, c'est quand la perche touchait le sol. Voilà. Mais enfin, malgré cette prestation un peu lamentable, ils m'ont gardé. Ils m'ont gardé comme assistant monteur. Voilà, et ça, c'était entre-temps, on était en février 68. Et puis là est arrivé tout le mouvement politique. J'étais déjà politisé, bien sûr, avant. Et puis là, j'avais plus beaucoup de temps pour travailler. Parce que, voilà, on passait nos nuits à faire de la politique. Et Mertens et Marty, ils ont vu que je m'endormais dans la salle de montage. Et donc, ils m'ont dit, OK, t'as plus besoin de venir. On continue à te payer à condition que tu viennes nous raconter ce qui se passe le matin au petit déjeuner. Voilà, des patrons formidables. Et est-ce que c'est ce que j'ai fait pendant tout le mouvement 68, où j'étais intégré où j'étais du comité d'action des Globus Kravallis, ce qu'on a dit à Zurich. Voilà. Alors justement, en fait, quel rôle exactement vous avez joué dans les événements du Globus? Il y avait ce qu'on avait appelé à l'époque les comment ça s'appelait ? Generalversammlungen. Donc, assemblée générale. Une des assemblées générales. Il y en a eu deux, trois. Et là, ces assemblées générales,
ont élu un comité d'action. Il y avait 11 membres. Et moi, j'étais élu comme je m'étais présenté aux élections de cette Assemblée Générale comme représentant culturel pour le cinéma, le théâtre, etc. Voilà. Mais l'idée, c'était de faire quoi? Les actions L'idée, c'était de prendre le pouvoir. Tout simplement. Oui, parce que oui, c'était un peu... Enfin, l'idée, c'était de dire, on va tout changer et on va vous dire comment il faut faire. Voilà, on voulait un centre pour la jeunesse, mais voilà, ça c'était une chose. Mais enfin, ce qu'on voulait, c'était que tout change. Et tout a changé. Pas vraiment comme on l'a pensé, mais enfin, voilà, que c'était quand même un mouvement extraordinaire, qui a libéré plein de choses, nos esprits, nos corps, nos tout. Voilà. Donc vous étiez quand même déjà engagé politiquement avant, pour arriver à cet engagement-là concret en 68, quand même. Oui, oui. Non, mais j'ai un père politisé, un père au parti, un syndicaliste, un grand-père syndicaliste. Voilà, et puis un espèce de genre sentiment de justice sociale qu'il fallait. Voilà, fils d'ouvrier. Hein, voilà, pas d'argent, pas d'études, galérer, voilà. Et puis il fallait dire, mais non, ça va pas, hein. Il faut les partager, les richesses. Mm-hmm. Voilà. Oui, je me suis politisé tout seul, enfin tout seul, non, l'environnement familial, bien sûr. Mm-hmm. Donc là, on en est à ces événements du Globus, mai 68. Vous travaillez toujours pour Mertens et Marty, pour leur raconter ce qui se passe. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a la descente 68 est un peu dure. Donc je suis parti en voyage. Je suis allé en Inde. J'ai arrêté de travailler comme... je ne suis pas tout de suite parti, je suis allé travailler comme serrurier dans une serrurerie à Birmenstorf. Où je me suis fait engager en disant que j'étais serrurier, puisque ça avait marché comme ingénieur du son. Et puis je savais souder un peu, mais la nuit je m'entraînais à souder, voilà. Et je me suis assez bien démerdé parce que je savais lire des plans. Je ne me souviens plus pourquoi je savais lire des plans. J'avais appris ça à un moment. Et mon patron, qui était un extraordinaire serrurier, mais il était pas, il savait pas bien lire les plans. Et donc, je suis devenu une espèce de contremaître très, très, très vite parce que je savais mieux lire les plans que les autres. Et donc, je ne devais pas vraiment savoir bien souder. Voilà. À cette époque que vous étiez que vous viviez dans une communauté, la communauté de... De Birmenstorf. Ça peut juste un peu... C'était un collectif, donc Guido Magnaguagno, Schmidt, un opérateur... c'est des copains, tous des gens de gauche, on avait un collectif, une maison, une commune, ça s'appelait à l'époque. Voilà, on était 12 ou 13. Voilà. Mais c'était des gens qui étaient liés au milieu du cinéma? Non, pas du tout. Non. Il n'y a que Otmar Schmidt qui était aussi dans le cinéma. Voilà. Okay. C'est à travers lui que j'ai connu, Dindo plus tard. D'accord. Dindo, parce qu'Otmar faisait l'image de Dindo pour les peintres naïfs. Naïf et Malden in der Ostschweiz. Ouais. Magnifique film où j'ai fait le son. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Richard et c'était immédiatement une rencontre. C'était une des grandes rencontres aussi. Bon, alors justement, comme je l'avais évoqué tout à l'heure,
En Suisse romande, on n'a pas du tout conscience du rôle que vous avez joué dans le cadre du film collectif de Zurich. Vraiment, c'est quelque chose qui n'apparaît pas de manière claire. Donc moi, j'aimerais que vous me racontiez maintenant le rôle que vous avez joué dans la création, déjà dans la création du film collectif de Zurich. Alors, il faut peut-être avancer un tout petit peu sur le film. La film coopérative. Hein? Film coopérative, c'était la distribution militante de films militants. Michele Morar, qui était le fondateur de ça. Et puis, il a un peu disparu. Le personnage qui a un peu disparu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je crois qu'il buvait un peu trop. Et puis, c'est Donat Kreusch et Trudy Lutz, qui travaille toujours à FinCop maintenant, qui était là, et plus un autre, Tony Stricker, qui avait repris la FinCop. Et ils avaient en distribution le film de Krawall, Hassler, Jürg Hassler, qu'il avait fait autour de 68. Et puis, donc, les films qu'on louait, qu'on montrait au Film Forum, etc., tout ça était un petit peu lié. Film Forum s'était un petit peu cassé la gueule après, parce que... Mais enfin, voilà, tout ça, c'était le même milieu, donc on s'est connus très vite. Et puis moi, j'ai fait un film qui s'appelait Arbeiter, comme metteur en scène, où j'avais rencontré, avant, pour la création du syndicat, j'avais rencontré Renato Berta, Luc Hersin, Carlo Varini, enfin, tous les romans qui étaient dans ce mouvement. Alors, est-ce que peut-être juste préciser, qu'est-ce que c'était ce syndicat ? Le syndicat, c'est toujours le syndicat d'aujourd'hui, le SSFV, qui était le premier mouvement qui organisait les techniciens du cinéma, parce qu'ils n'étaient pas organisés du tout. Et puis, donc, je les ai connus là, on ne savait pas encore si on allait faire ce syndicat, etc., etc. Et puis, je fais donc mon film, et là, il y a Renato Berta, mais un autre personnage très important pour moi, qui est Georges Jeannette, que j'avais connu sur un autre film de Fru, de Kurt Fru, avant ça. C'est un peu le bordel, hein. c'est Der Fall. Et lui, il était assistant, et premier assistant et monteur, Georges Jeannette, là-dessus. Et moi, j'étais devenu électro sur ce film-là. Enfin, voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Ouais. Et puis après, on a fait le syndicat. Et puis, j'ai écrit cette première histoire d'après une histoire d'Italo Calvino. J'ai fait ce film avec donc Renato Berta, Carlo Varini, qui était assistant, Luc Hersin, qui a fait le son, André Pinkus, qui a été chef électro, et Georges Jeannette, qui était premier assistant. Donc j'avais une espèce d'équipe de rêve. Qui a devenu un très joli film. Et ce film a eu beaucoup, beaucoup de succès, parce qu'il est allé dans les festivals du monde entier, et il a très, très bien marché. Et c'était FilmCop qui a distribué et vendu le film. Et donc, on a gagné des sous, et eux, ils étaient dans une cave, un atome, un abri atomique. Il a dit, non, ça va pas. Et avec Donat Kreusch, qui lui avait le courage aussi, on s'est dit, bon, ben, on va sortir de là. Et on a cherché, et on a trouvé la Josefstrasse 106, qui était une grande maison, dans une cour intérieure, près de la Langstrasse, et on a loué ça. Et du coup, on a créé le film collectif, où moi, j'ai amené tous les copains romans, c'est-à-dire Berta, Cavarini, et Luc, etc. Et puis, évidemment, André Pinkrus, de l'autre côté, enfin, avec ceux que j'avais travaillé comme électro. Et puis Donat a amené des gens que moi je ne connaissais pas à l'époque, c'était Urs Graf, Sturm, Hans et Knauer. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'était plus seulement de distribuer, mais aussi de produire des films. C'était surtout, l'idée même de la production n'était pas encore là.
c'était plus un outil de production. Mais le fait de produire, c'est-à-dire de financer un film, de monter un film, cette idée-là n'était pas vraiment, vraiment là. Mais ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a créé, on a pris tous les outils. Pour, c'est-à-dire, on avait des bandes de montage, on avait une salle de mixage que Luc avait montée, de projection. On avait du matériel d'éclairage qu'on a racheté par des combines pas vraiment avouables à Action Film, enfin à Citel, c'était les producteurs du groupe des 5. Voilà, on avait des camions, on avait des outils, on avait des caméras, on avait à peu près tout, et on était autonome. Donc l'idée même de produire comme un geste à la fois financier ou voire une intervention artistique, elle n'était pas là. C'était simplement on fait parce qu'on a les outils et donc on fait les films. On fait les films. Militants, plein de choses. Il y a eu beaucoup de films de fait comme ça, des films d'intervention. Mais l'idée, c'était, ok, on peut, comme ça, on peut aussi se passer des subventions de Berne. C'était ça, l'idée? Alors, oui, c'était, c'était mon idée un petit peu absurde qui était la suivante, c'est que moi, j'avais donc fait ce court-métrage et après ça, je suis parti grâce à une prime et puis à des prix que j'avais gagnés. J'avais pas mal d'argent, donc je suis parti à Paris. Et j'ai écrit un autre livre, scénario, avec Jean Jourdeuil et Nicolas Philibert. Donc Nicolas, c'est le cinéaste. Mm-hmm. Et puis Jean Jourdeuil, c'est un dramaturge qui était la compagnie Vincent Jourdeuil. C'était très, voilà. Il travaillait avec Alliot et toute la bande. Mm-hmm. Et donc on a écrit ce truc Monopoly. Et je l'ai déposé à Berne et on m'a refusé la subvention. Et ça m'a mis dans une telle rage. J'ai dit, mais que je suis un con. Et j'ai dit, on va faire un outil qui n'a plus besoin de subvention. Voilà. Alors ça, c'était très naïf. Voilà. Mais enfin, voilà, c'était spontané. Voilà, c'était naïf, c'était idiot. Mais voilà, en tout cas, il y avait de ça. Il y avait de dire, nous, on n'a qu'à faire, on a les outils, on détient... l'outil de production, hein, dans le sens marxiste du terme, l'outil concret. Et on n'a pas bien compris que c'était un petit peu plus complexe que ça. On l'a appris après. Vous nous avez dit que vous avez des contacts, beaucoup de contacts avec la Suisse romande. Est-ce que c'était le cas de toutes ces personnes à Zurich? Ou bien spécialement non. Parce que vous... Je pense que c'est vraiment... J'étais le seul. Hein, j'étais le seul qui a... Je crois que je suis un peu la personne qui a fait un peu le pont, si j'ose dire, entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Luc Hiersin, qui parlait très 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 bien l'allemand, a fait beaucoup de voilà, mais il était technicien et moi j'étais beaucoup plus un organisateur, un peu un touche-à-tout, et Luc s'était concentré sur le son, et donc j'ai pris un rôle plus important que lui dans ce maillon, hein, qui a relié la Suisse romande, les deux Suisses. Ouais. Mais Yves Hiersin ne faisait pas aussi le lien ou... Non, mais Yves, il habitait ici et il a fait un lien avec un film, Die letzten Heimposamenter, ouais. Où il va en bal, je crois que c'était bal. Voilà, mais voilà, il est roman, il est considéré comme un cinéaste roman. Voilà. Alors que moi, j'habitais à Zurich. Hein, à l'époque, je vivais à Zurich. Mais pour revenir, par exemple, aux conditions de production qui existaient à ce moment-là, ouais. L'idée, c'est que, OK, on veut notre propre outil de production. Donc, vous étiez tout à fait au courant de quelles étaient les conditions de production qui existaient à ce moment-là, le fait qu'il y avait Condor qui existait, etc., des grosses maisons zurichoises. Oui, mais je veux dire, il y avait un tel... Comme on était absolument sûr que nous, on réinventerait le monde... en train de réinventer le monde.
on était sûr de réinventer tout, les structures de production, les rapports de travail, les rapports hiérarchiques, voilà, tout ça, Condor, c'était, voilà, c'était les vieux. Et enfin, on voulait même pas savoir ce qu'ils pensaient, parce que de toute façon... Ni même comment ils travaillaient, ni même comment... Oui, on savait, on apprenait par eux, parce que justement, par exemple, Der Fall, c'était un film très très important pour ça. Hein? C'était Kurt Fru, ouais. Mais avec Eddie Winiger à la caméra, tourné partiellement en Super 16, ou j'ai peut-être pas super, en tout cas en 16 mm gonflé. Donc, avec une sensibilité très, très, très basse de la pellicule pour ne pas faire de grains. Enfin, un truc totalement cinglé qui a coûté 3 fois plus cher que si on avait tourné en 35. Mais enfin, voilà. Donc, il y avait des nouvelles techniques qu'on essayait, des vieux qui essayaient de passer le moment. Mais ce n'est pas vraiment la nouvelle vague. Hein. C'est un passage de l'ancien cinéma dont Fru était parti, mais que Yannette, qui était assistant autrefois dans cet ancien cinéma, il a refait le lien avec les nouveaux et les opérateurs, les techniciens. Voilà, tout ça se mélangeait. Il y avait ce côté-là. Mais Freddy Mourer, Radanovic, tous ces gens-là faisaient déjà leurs films, qui étaient très, très différents. Nous, on avait déjà fait les ciné-circus. Tout le mouvement du New American Cinema était bien avant. Donc, tout ça se mélangeait. Donc, nous, on était du côté... idéologiquement, du côté du mouvement du New American Cinema ou du cinéma militant qui devait avoir un sens. Et puis les autres étaient dans un vieil outil de vieille manière de penser le cinéma, de raconter des histoires, etc. Donc c'était plus notre truc. Je fais juste une parenthèse, mais Georg Yannette, il ne faisait pas partie du film collectif ? Non, pas officiellement, parce que Georges Yannette, c'est le genre d'homme qui dit « je ne veux pas être membre d'un club qui a des gens comme moi comme membre ». Vous voyez, voilà, Georges est un cynique, Georges est un cas à part, Georges est un... Voilà, c'est un homme très, très, très important pour plein de gens qui nous a appris le langage du cinéma traditionnel. Il nous a transmis du savoir et il s'est adapté aux gens nouveaux. Enfin, voilà, c'est un type formidable qui a joué un rôle très, très important, mais pas activement, politiquement. OK. Comment percevait-on à Zurich ce qui se faisait à Genève à ce moment-là, au début des années 70 ? Je pense notamment à la collaboration inédite du groupe 5 avec la télévision. Alors, pour la télévision, on n'avait pas beaucoup de conscience sur le groupe avec la télévision. Mais alors, le groupe des 5, bah, évidemment les films, c'était essentiel. Mais le lien s'était déjà fait très pratiquement parce que Renato Berta avait fait l'image de tous les films de Tanner. Donc, on était là. Yves Viersin, le frère de Luc, l'ami de Madeleine Fongela, qui était une des premières dans le syndicat. Voilà, enfin, tout ça, on se connaissait. Le groupe des 5, évidemment, les films, on adorait. J'étais moi-même, après, dans Electro, chef Electro du milieu du monde, j'étais machinot sur rien, comment ça s'appelait, pas si méchant que ça, Goretta. Ouais, le Goretta, j'étais sur Jonas, j'étais chef électro, voilà, donc j'ai travaillé à la fois dans des postes de technicien, hein, avec le groupe des 5, mais nous on n'avait pas réalisé réellement, ni la relation avec la télé et les producteurs, donc Yves Gasser et Yves Perrault de Citel Film. Ils ont joué un rôle totalement essentiel. Et puis on les a
Je ne sais pas très bien, je ne me souviens plus très bien quel était le rôle, parce qu'on était un peu salauds. Parce qu'on était très, très, très soudés. On n'était pas très sympas avec les producteurs. Voilà. C'est vrai, justement, la question que je me posais, c'est quel type de relation il existait entre le film collectif de Zurich et puis une structure comme Citel Film, par exemple ? Aucune. Aucune, et puis... On a racheté la totalité de leur matériel que j'avais acheté, moi, au préalable pour eux. Et puis, voilà, ouais. C'était une compétition entre les... Enfin, il y avait une sorte de concurrence entre les deux ? Non, on se sentait, nous, vraiment... Là aussi, on se sentait d'une autre génération, réellement. Mais pourtant, ils sont de la même génération. Oui, je sais bien. Ou alors peut-être que c'est le type de cinéma qu'ils voulaient défendre. C'est le type de cinéma, le type de la manière de produire. Et c'est eux qui ont fait les coproductions avec la France. Hein. Ils ont très, très vite coproduit. Et ils ont très, très, très vite fait Action, film qui est devenu une très grosse boîte de production française. Mm-hmm. Et du coup, ils étaient dans un autre cinéma. Nous, on était dans quelque chose de collectif. Hein, toutes les décisions se prenaient de manière collective. On s'essayait à des nouveaux rapports de production, de rapports hiérarchiques. Tout ça, on n'en voulait plus. On voulait pas un producteur qui commande. On était d'accord qu'un metteur en scène, l'artiste, commande. Mais pas un producteur. Pour nous, c'était impensable. Alors justement, le mode de fonctionnement au sein du film collectif, c'est on vient avec un projet, mais dès le moment où on a un projet, c'est quand même la personne qui doit s'occuper de le produire. Mais comment ça se passe au niveau du financement ? Au début, pas du tout, jusqu'au premier film qui était San Gotardo, de Willy Herman. Chef d'œuvre. Et ce film dont vous êtes le producteur, dont je suis le producteur, oui, accidentellement. C'était il y avait ce scénario. Willy Herman est venu. Nous, on avait la structure, hein, on avait tous les outils, les caméras, là, on avait tout. Et puis Willy, comme il était au Tessin, il connaissait Renato, c'était tessinois. Et puis hein, il a dit tu fais la caméra. Puis Ciccio a dit ouais, d'accord, je fais. Et donc on dit qu'est-ce qu'on va faire? On va produire. Ouais, mais qui c'est qui produit? Puis je dis moi. Comme j'ai dit pour que j'étais électro, j'ai dit Et donc je me suis déclaré producteur. Et j'ai lu. Et j'ai trouvé ça, on ne dit pas ça, hein, un truc historique, mais j'ai trouvé ça très, très mauvais. Et ça m'ennuyait terriblement. Mais j'étais totalement certain, par contre, que ça se financerait. Hein, que tout le monde donnerait des subventions, Berne, la télé, blablabla, etc. Ce qui était effectivement le cas. Et puis on était très très, on n'était pas sympa avec Willy Herman sur ce coup-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'était pas très sympa. Et on a fait le film et on a gagné beaucoup d'argent. C'est ça qui nous a permis après de racheter plein de nouveaux outils, tous les travelling, les grues, les camions. Donc on a fait un gros bond en avant. Dans les équipements. Et très vite derrière, je suis allé retravailler pour gagner de l'argent sur Jonas, je crois. Oui, et puis c'est là que j'ai rencontré Patricia Moraz qui avait son projet. Et puis après, comme j'étais producteur, j'ai qu'à être producteur. Voilà. Et là, donc, il y a une sorte d'étape qui est franchie, parce que alors, pourquoi est-ce que vous passez du côté de la production à ce moment-là, tout à coup ? Enfin, je pense que le premier est accidentel, hein, Willy Herman, c'est parce qu'on disait il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et le deuxième, c'est parce qu'il y a une histoire d'amour avec Patricia, Puis vous voulez défendre son film. Puis je dis, oui, évidemment. Puis Patricia n'avait jamais vu une caméra. Elle ne savait pas comment on découpe. C'est une femme brillante, voire brillantissime.
voilà, une intellectuelle du genre de femme que je n'avais pas connue avant, réellement. Parce que, voilà, très cultivée. Et donc on va, donc je lis son scénario, que je trouve, alors j'ai pu écrire n'importe quoi, je trouvais ça brillant. Donc c'était pas vraiment le problème. Et donc on est allé au cinéma pendant tous les jours, pendant très longtemps, 6 mois, pour parler de découpage, hein, pour prendre une scène, dire bah, regarde ça, parce que moi je retournais dans des films que je connaissais ou alors des choses très banales aussi, hein, simplement pour dire comment c'est découpé. Et quel est le principe même d'un découpage. Et puis, on a beaucoup parlé là autour, et pendant qu'on essayait de monter le film. C'était évidemment une coproduction. Là, il y a une autre très grande rencontre très, très importante avec André-Marc de Locfourcault, qui travaillait au CNC, enfin, qui travaillait pour le ministère des Finances au CNC et qui était le rapporteur Maléco, c'est-à-dire c'est sur des systèmes de financement. Et c'était un gros pavé de 150 pages qui se lisait comme un polar. Et il se trouve que j'ai rencontré André Marc au CNC et puis j'ai dit, j'ai lu votre rapport. Je trouve ça formidable. Et puis voilà, il y a une espèce d'amitié qui est née. Enfin, pas une espèce, une amitié qui est née. Voilà, parce qu'en même temps, il y avait, il faut bien dire qu'un autre événement très important, c'est la rencontre, c'est Christine Pascal qui joue dans les Indiens. Mais voilà. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas, c'est qu'avec Les Indiens sont encore loin, on est très très loin du fonctionnement du film collectif. Très 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 loin. Alors là, tout à coup, c'est un autre système de production qui se met en place. Ben oui. Et là, je ne comprends pas le saut. C'est l'amour. Parce qu'en fait, vous faites un petit peu comme si tel film. Très exactement. Vous allez chercher des sous en France. Oui, on a fait exactement pareil. Oui, bien sûr, oui. Et ça, alors pourquoi vous avez dit, bien évidemment, il fallait que ce soit une coproduction, mais pourquoi c'était si évident? Ah ben parce que c'était impensable de monter le film, ce genre de film, ce genre de récit, cette manière de filmer, avec les sous qu'on avait ici. Pourquoi? Parce que c'était un gros... Non, c'était pas gros, mais je me souviens plus du budget, mais simplement, c'est... voilà, jusqu'à présent, on faisait des... C'était pas des fictions, hein, d'abord. Enfin, sans Gotardo, c'était ce mélange un petit peu. Mais ça, c'était. Mais les Indiens, c'est 3 fois, 4 fois plus cher. Voilà, on est dans un truc, une manière de fabriquer tout à fait traditionnelle. Mais vous étiez quand que même... je connaissais, bien sûr, comme technicien, hein, parce qu'on avait fait tout plein des films comme ça. Hein. Comme électro, machinaux, mais aussi assistant, régisseur, directeur de production. J'ai travaillé en Allemagne. Enfin voilà, j'ai pas arrêté de faire des films. J'en ai fait tout plein comme technicien. Et donc je connaissais la manière de faire. Okay. Il y avait la conviction politique, mais enfin voilà, au milieu des années 70, le projet de société, le projet de, et ben ça s'est écroulé, bien sûr. C'est fini. Et donc là, vous prenez les commandes, puis c'est vous qui allez faire le montage financier du film. Oui. Ouais. Et puis vous vous dites, OK, il faut qu'on trouve une coproduction avec la France. Oui. Mais vous aviez des liens. Il faut quand même bien avoir un réseau avec la France, quoi. Donc, oui, mais Patricia vivait en France. Ah, OK. Et la rencontre avec André Marc, qui connaissait Chardot. OK. Et puis c'était relativement facile et on a eu l'avance sur recette. Et ça a suffi à l'époque, l'avance, et puis après, je me souviens plus, je crois qu'on avait Lina. J'ai vu que le CNC a donné 500 000 francs français. Ouais, voilà. Que ouais. Lina a donné quelque chose, voilà, mais Lina. Je sais pas combien. 300, je pense, ouais. Et puis, les films 2001 ont aussi donné ça, c'est chose. Ça, c'est Chardot. C'est Chardot. Ouais, oui, enfin, il a rien donné, bien sûr, mais ça, c'est les apports producteurs fictifs qu'il faut pour... Et puis après, il suffisait encore d'obtenir les subventions à Berne et de la télévision et ça suffisait. Je pense qu'on devait avoir un peu autre chose. Je me souviens plus quoi.
Oui, oui. Le film collectif, lui, participe comment? Sous quel En prestation technique. C'est-à-dire, on avait tout le matériel d'éclairage, on avait tout le matériel de machinerie, etc. C'était des apports qu'on faisait. OK. Et puis après, il était distribué par FilmCop, bien sûr. Enfin, voilà. Mais c'est un film qui n'a pas généré de dette et puis qui a marché après, qui a généré après des recettes ou pas du tout? Oh, je ne pense pas qu'on ait gagné beaucoup d'argent, mais c'est un film qui... Oui, oui, qui avait en tout cas un succès culturel certain. Et puis, d'abord, je trouvais un très joli film. Voilà, mais enfin bon, alors mon regard, l'objectivité là autour, j'en sais rien. voilà. Mais je reviens un petit peu sur cette... qui moi me paraît un peu paradoxale, c'est que vous êtes toujours au sein du film collectif, puis vous adoptez quand même une nouvelle façon de produire. Oui. Mais vous êtes donc toujours au sein du film collectif, puis oui, ça ne pose pas de problème. Ou si, si, qui défend, je défends les projets, hein, c'est-à-dire qu'en assemblée, c'est-à-dire tous les soirs, une fois par semaine, on dit voilà, c'est ça le projet, et puis on parle jusqu'à ce qu'on ait convaincu tout le monde que c'est une bonne idée de faire ça. Non, non, c'est la décision, elle n'est pas tiens, je produis, hein, je dis voilà le projet, pourquoi il est viable, voilà, je défends la chose comme dans un collectif. Ouais. C'est le collectif, c'est l'assemblée qui donne le OK pour dire ouais, d'accord, vas-y. Voilà. Mais quand on regarde toute la filmographie des films produits par le film collectif, en gros, il y a trois films romans qui ont été produits. Ouais. Bah, c'est ceux qui ont été produits grâce à vous. Ouais, oui. C'est ouais. Les Indiens, Les Petites Fugues et puis Le Chemin Perdu. Mais tout le reste de la production, c'est une production strictement alémanique. Oui, oui. Donc... mais Le Chemin Perdu, il n'était pas, c'était plus collectif. Hein. Ah. C'est Saga. Hein. Oui. Ouais. Non, moi j'ai fait il y avait des films de Dindo que j'avais fait en même temps. Max Frisch. Max Frisch, c'est Saga aussi. D'accord. Ouais. Tu es toujours au sein du film collectif. Ouais. Tu as fait Les Indiens sont encore loin. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a Yves qui te contacte pour Les Petites Fugues, non? Nous, on a tourné Les Indiens l'hiver 76. Hein, en automne 76, c'est l'hiver. Et puis, en post-production, pendant la post-production des Indiens, donc fin, début mars, Yves m'appelle pour dire, parce que entre temps j'étais devenu producteur, dire est-ce que tu veux pas produire Les Petites Fugues. Alors je me rue dessus, bien sûr, parce que je connaissais le scénario, je l'avais lu au moins 4 ans avant, pavé de 300 pages, extraordinaire. Et moi, j'étais prévu comme machiniste, chef machiniste sur ce film-là. Entre-temps, donc, j'étais devenu producteur et j'ai dit oui. C'était début mars et le film était en préparation depuis 4-5 ans. Et ils n'arrivaient pas à le monter et quand j'ai dit oui en mars, on a tourné en juin. Un rouleau compresseur s'est mis en marche. Parce que d'une part, j'adorais ça. J'ai trouvé ça. Voilà, c'est très exactement ce qu'il faut faire. Que je m'étais senti trahi par Patricia, bien sûr, parce qu'entre-temps, on s'était évidemment fâché. et que j'avais rencontré... que Christine était là, mais enfin bon, voilà, enfin tout ça se mélange un peu, mais enfin il y a le film et il y avait Gasser sur le coup de Sitel, il y avait Condor film, il y a PC qui était sur le coup, et tout ce beau monde s'était perdu dans les méandres de la préparation du film, parce que Yves il voulait Gendly pour faire Pip. Gendly, il avait pas 40 ans, hein, à l'époque, ou à peine.
Et donc, ça demandait un maquillage de 3 à 4 heures le matin. Mmh. Bon, j'ai tout de suite dit, non, mais attendez, vous êtes cinglés. Voilà. Et donc, on a évacué tous les fausses questions. Et on a dit, bon, ben voilà, on fonce. Et puis, j'avais... et puis, en France, j'allais beaucoup, beaucoup plus droit. Voilà, j'étais voir les gens de l'INA, qui étaient devenus des copines. Mais après, voilà, j'ai connu d'autres à FR3. Voilà, enfin, voilà. J'ai donc trouvé l'avance... Et France 3. Voilà, ce qui nous suffisait pour... on savait que ça ne suffirait pas. Mais enfin, comme je voulais absolument faire le film, et ben voilà, on a dit que ça suffirait. Voilà, et on a fait le film. Donc il y avait FR3, mais FR3, c'était une aide conséquente, parce que là, j'ai rien trouvé sur... Je pense qu'au RPCA, il y a, je pense que c'est 300 000 francs à l'époque, ouais. Mais comment vous avez... de nouveau, c'est par réseautage ou... Non, mais le scénario était formidable. Hein. Ça a aussi convaincu les gens de la chaîne. Formidable, formidable scénario. Ouais, okay. Ouais. Oui. Et le principe chez FR3, il voulait à l'époque, il voulait faire un téléfilm. Puis nous, on a dit non. Mais c'était pas moi, c'est pas... Enfin, voilà, je me souviens pas très bien. Et puis, ben voilà, ils ont marché très vite. C'était un scénario qu'ils avaient adoré. Mais en contrepartie du financement, c'est la copro classique. C'est les départements cinéma des chaînes publiques françaises. Ah, okay. comme ça se fait toujours. Hein. Ouais. Donc, ils sont coproducteurs, ils ont une part des recettes, ils ont une part des comptes de soutien. Enfin, voilà, c'est des vrais producteurs, coproducteurs. Mais l'idée, c'était aussi, on se débarrasse quand même de Condor et de Citel. Ah oui, oui. Alors Citel s'était retiré. Hein, quand j'ai dit OK, Yves Gasser, il a dit bon, ben voilà, vas-y. Et Condor avait essayé de rester dedans, voilà, parce que, bon, comme il n'arrivait pas à monter sur la France, puis là, je l'ai sorti. Voilà. Un peu pas très élégant non plus. Donc, mais tu dis, c'était on se débrouille tout seul, quoi. On va pas. Ah ben, il n'y a pas question de travailler avec ces gens-là. C'est le vieux cinéma, ça c'est le vieux cinéma. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On les fait à notre manière. Et notre manière, c'est de dire bon, ben voilà, on n'a pas l'argent, ça fait rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un collectif. Ce qui est le film et vidéo collectif de Lausanne, enfin des Culs Blancs. Il y avait Cadia, qui était une structure de production, qui avait un Audi de mixage, très petit, mais enfin un Audi, des salles de montage, des bureaux, etc. Et on a racheté, était en vente, c'était en faillite. Et nous, j'ai dit, ben voilà, on n'a qu'à l'acheter. Ça coûtait 100 000 francs. Et donc, j'ai convaincu Zurich de dire, investissons 50 000 francs et on devient partenaire des autres. Et on a organisé tous les techniciens qui étaient autour des petites fugues pour créer un collectif, une société anonyme. Zurich, le collectif de Zurich était actionnaire de cette société et tous les autres techniciens étaient les actionnaires du film et vidéo collectif qui est rentré en coproduction dans les petites fugues et ils ont mis une partie de leur salaire et toute l'infrastructure en participation. Et c'est ça qui a bouclé, qui aurait dû boucler le financement du film. C'est pas vraiment bouclé. Non, il manquait 600 000 francs qu'à vrai dire, je savais pertinemment. Voilà. Enfin, je ne savais pas exactement 600, mais enfin, je savais qu'il en manquait beaucoup. Et voilà, puis je pensais qu'il fallait faire le film. Donc tant pis, on y va, même s'il manque les 600 000 francs. Ouais. On verra après comment on s'en sort. On verra bien. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que je pensais. Ben, d'abord, je pensais que Yves, ce qui s'est avéré, était un grand cinéaste. Que c'était une formidable histoire,
faire un formidable film. À ce moment-là, vous aviez aussi déjà le financement de la TSR et puis du DFI. Non, DFI, on avait pas, on l'avait pas encore vraiment. Et surtout, ils ont refusé de payer. C'était Benninger. Et nous, on avait déjà commencé à tourner. Et quand on a fait la scène de Rockenburg, le motocross, là, on nous dit, eh ben, on peut pas payer parce que le financement n'est pas assuré. Et du coup, je rentre à Zurich en panique et je convoque les journalistes au collectif en disant l'Office fédéral de la culture bloque le film en tournage. Ils ne veulent pas payer la subvention. Voilà, puis je leur explique le machin, puis je leur dis, c'était vendredi, je leur dis, écoutez, attendez, parce que j'ai obtenu un rendez-vous demain matin, samedi, à Berne, comme rendez-vous de la dernière chance. Vous connaissez Alex Benninger ? Oui, mais je le connaissais depuis de la création du Film Forum, 10 ans avant. Hein. Et puis donc, rendez-vous. Alors, je leur dis, n'écrivez pas encore, mais je vous dirai, si jamais j'obtiens ce que je veux, on oublie tout ça, et sinon, allez-y. Tout le monde a joué le jeu, et donc, le lendemain matin, je suis à l'office, et puis il y avait un tableau noir, je me souviens très très bien, et j'ai fait la démonstration de pourquoi le film était viable. Et puis Benninger, il a dit, oui, j'ai toujours rêvé qu'un producteur m'explique comment on s'en sort quand même. Et puis il a débloqué le truc. Et là, je suis retourné en héros sur le tournage. Hein, vous avez été sauvés. Et j'ai trouvé Christine Pascal dans mon lit. Voilà. Mais vous êtes allé un peu au bluff avec Alex Benninger ou bien pas du tout enfin, oui, enfin, non, j'étais convaincu de ma manière de faire. Maintenant que ça allait coûter plus cher, etc. Ça, personne ne le savait. Personne ne pouvait le savoir. C'est que les gens qui étaient réellement dans la fabrication. Hein. Tu annonces un prix, personne ne peut dire, ben non, c'est pas ça. Voilà. Vous avez utilisé le terme « sauvé ». Vous pensez que dans notre pays, l'aide financière de l'État est vraiment quelque chose de... Ah ben c'est totalement central. Sur le papier, c'était 50% de la part suisse du coût de film. En réalité, c'était plus. Hein? Parce que la subvention n'a pas le droit d'être plus que 50%. Mm-hmm. Mais sans Berne, il n'y a pas de film. C'est aussi simple que ça. C'était, je me souviens plus, je crois que c'était 500 000 francs suisses à l'époque. Hein, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors là, moi, j'ai 300 000 francs. J'ai trouvé comme chiffre pour les petites fugues. DFI, 300 000 francs. Mais peut-être c'était plus, hein. Non, je me souviens plus. Mais enfin, non, il me semble que c'était vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, peut-être, je me souviens plus. Mais enfin, c'était totalement central, parce que la télé, c'était 100 000 à l'époque. Mmh. Hein? Les plafonds étaient à 100 000. Ouais. Donc oui, central. Donc on compte sur une aide de l'État quand on réalise un film suisse à cette époque. Et aujourd'hui. Oui. Aucune chance, il n'y a pas de marché. Donc, aucune chance sans correction de l'État, sans intervention, sans volonté politique. Il n'y a pas de cinéma. Point. Et le prix moyen d'un film à cette époque, il est de quel ordre ? Il est... Nous, on était très, très, très cher avec un devis annoncé à 1,250 €. C'était le film le plus cher annoncé. Donc, on était beaucoup plus bas. On était de l'ordre entre 600 et 800 000. Hein. C'était les gros films, les films de fiction. Mm. Voilà.
Et au bout du compte, les petites fugues ont coûté 1 850 000, donc 600 000 balles de plus. Donc là, on avait battu la totalité des records de films chers à l'époque. Mais comment on fait pour s'en sortir avec on s'en sort pas, un hein. dépassement de 600 000 francs? On s'endette? On fait comment? Oui, on paye. Oui, je me souviens plus très bien comment on s'en sortait. Mais alors, je me souviens parfaitement que c'est le début du conflit, bien sûr, puisque financement, c'est une chose. On peut le retrouver, le financement, parce qu'on y a des rallonges, des machins, etc. Ça va. Mais c'est la trésorerie. Et tout problème de producteur, c'est d'abord un problème de trésorerie. Et j'ai, bien sûr, parce que les petites fugues étaient une pompe à fric de trésor, parce que c'était une machine lourde qu'on avait mis en place. Et ça a pompé toute la trésorerie du collectif de Zurich. Donc, de facto, l'argent des autres films. Mm-hmm. Principe de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et voilà, donc catastrophe. Et ça, évidemment, les copains et camarades qui faisaient des films, des documentaires, plutôt correctement financés, bouclés, mais des beaucoup plus petits budgets, qui voyaient se faire pomper la trésorerie de leurs films par un machin qui, idéologiquement, ils n'étaient pas tout à fait convaincus, et bien ça a très mal passé. Et c'est là qu'ils m'ont coupé la signature du compte. Voilà. C'est là qu'ils m'ont foutu dehors, de facto. C'est là que c'est la scission sein du film collectif. C'est ça qui amène à la scission avec les uns qui gardent le collectif, c'est Sturm, Graf, Knauer, et puis ceux de la distribution, donc Kreusch, Trudilutz, etc., ils créent Cactus et ils reprennent les droits du film, les petites fugues, voilà, en distribution, et les droits du collectif. Voilà. Mais pourquoi Donat Kreutz et Trudy Lutz ils font un truc de distribution et pas un truc de production, par exemple? Ben, ça a toujours, c'était leur métier, c'était leur passion au départ, hein. C'était 10 ans avant, ils étaient déjà distributeurs au sein du film collectif, qu'est-ce que je raconte, d'un film coopératif. Voilà, donc ça c'était leur métier, distributeur, et ils ont aimé ça, ils ont voilà. Et pourquoi le film et vidéo collectif, c'est pas le film et vidéo collectif qui avait les droits sur les petites fugues? Parce que c'est le collectif qui avait monté essentiellement le film, qui avait c'est moi qui a financé dès le début que j'ai pris la chose, et puis je signais au nom de film collectif. Tous les contrats d'auteur, les contrats avec la télé, avec Berne. Donc à ce moment-là, au moment de la scission, les droits proprement dits sur le film, c'est qui les a, c'est C'est le film collectif qui les cède à Film et Vidéo Collectif, d'un côté les droits les droits de production. Et Cactus garde le droit de distributeur suisse et vendeur à l'étranger. Mmh. Avec un pourcentage de 50%. Enfin, voilà, superbe affaire. Mais ce n'est pas Cactus qui va distribuer le film. Si, si. Si, quand même. Oui, oui, c'est Cactus qui distribue le film. Oui, oui. 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 Ah, sûr, alors. Ah bon? Oui, oui. Oui, je vois que tu doutes. Non, non, c'est sûr, c'est Cactus qui distribue le film. D'accord. Parce que il y a toute cette histoire d'action par rapport au film collectif, toute cette bataille qu'il y a eu. Et puis le fait aussi que tu rachètes, toi, officieusement, je ne sais pas si c'est officiellement ou officieusement. Ouais. Les droits du film, enfin bref, il y a toute une histoire. Je rachète au Film et Vidéo Collectif les droits. Que j'ai un petit moment par Saga, que je revends après à Miguel Stucki
pour financer les besoins du Godard. Mais alors, je ne comprends pas quel type de contrat s'établit avec Cactus, parce que Cactus a les droits de distribution. Le mandat de distribution, ouais. Il reste. Ouais. Peu importe qui a les droits du négatif. Alors, je ne comprends pas, en fait. Au niveau de la distribution, comment ça se passe? Celui qui a les droits de distribution, il a quoi? Et puis celui qui a... Le mandat de distribuer, il n'est que mandataire. Donc, le producteur qui détient les droits d'un film, mm-hmm. il mandate le distributeur de dire... Puis après, on se répartit les recettes. Oui, mais lui, il a un couloir, il a le droit... Toutes les recettes appartiennent, c'est des recettes producteurs, sur lesquelles, lui, il a le droit de prendre un couloir qui est le sien, sa rémunération de distributeur. Ouais, okay. Mais la recette, c'est une recette brute par producteur. Okay. Et là-dessus, il y a une partie qui appartient au distributeur. Mais pourquoi le film et vidéo collectif a été d'accord de vous céder les droits? Ils ont été un petit peu bêtes? Non, c'est pas. Non, c'est un moment, il y a aussi un problème d'argent. J'ai racheté, parce que moi, j'avais fait entre-temps. J'avais monté Saga. Et puis j'avais fait Vidéo 50 de Bob Wilson. C'était une autre aventure formidable qui a essayé de se monter depuis des années. Et puis là aussi, j'ai très, 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 très vite réussi. Et puis donc, j'avais pas mal d'argent. Mmh. Je me souviens plus pourquoi. Je l'avais pas volé, mais j'avais gagné de l'argent. Et puis j'avais racheté le truc. Je me souviens plus très bien. Mais comme ça n'a pas duré très longtemps, j'ai profité un peu des recettes. Ouais. Oui, absolument. Je ne ferai plus ça. C'est promis, juré. Mais donc c'est donc à ce moment-là que, parce que moi j'avais un petit flou. Il y a deux entités, il y a Cinéma Manufacture et puis il y a Saga Production. Mais vous fondez d'abord Saga Production. Oui. À peu près quand 1980 ouais. 80, ça doit être, ouais. 80, ouais. 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 Bah, est-ce que là, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus par Ah bah non, moi, comme je me suis fait jeter donc, par le collectif, j'ai plus de structure. Non. Grosse bataille de qui allait par tout d'un coup ce qui était un collectif mais juridiquement une société anonyme tout d'un coup la question se posait ouais, mais qui c'est qui a les actions et alors du coup on se rappelle qu'on avait demandé à ceux qui avaient de l'argent à l'époque de signer et donc mais personne, tout le monde se foutait totalement de qui avait des actions puisque c'était pas une société anonyme, c'était un collectif. Mais au moment de la crise et du conflit, et ben voilà, tout d'un coup, ça s'est ressorti. Et donc, il y a une espèce d'équilibre qui se fait parce que Bertha, qui avait signé beaucoup d'argent d'actions, parce qu'il avait beaucoup d'argent à l'époque, hein, comparé à nous, et Sturm, qui avait de l'argent de famille, voilà, c'est eux qui avaient l'essentiel des actions. Et Renato, il les a donné, les siens, parce qu'il ne voulait pas se mêler du conflit, à Yves. Et puis, parce que moi, je lui ai dit à Renato, mais tu sais, à moi que tu dois les donner, bien sûr. Puis après, il les donne à Yves, puis j'ai dit à Yves, mais non, mais c'est à moi que tu dois les donner. Et puis, au lieu de me les donner à moi, il les a donnés à Amiguet. Et c'est Amiguet qui a défendu la position du film et vidéo collectif à l'intérieur de ce truc-là, et non pas moi. Mais pourquoi Yves Hirsin a dit « Ok, je te le donne pas à toi ». C'est... je ne sais pas, une revanche. parce qu'on l'a fait souffrir. On a fait souffrir sur ce film. Ou alors il fallait quelqu'un de neutre. C'était l'idée, c'était l'idée. Mais bien sûr que c'était absurde, on ne pouvait pas être neutre dans ce truc-là, il faut être engagé dans ce genre de choses. Mais enfin, voilà, comme ce que j'avais fait n'était pas politiquement très correct, hein, il faut bien avouer, je veux dire, j'ai quand même mis le collectif ou les collectifs en difficulté. Il faut bien
Après, une fois que le film avait marché, et puis que beaucoup, beaucoup d'argent est rentré, et que c'était du vrai, vrai bénéfice, c'était facile à dire, je vous ai toujours dit. Mais la réalité, le moment entre les besoins d'argent et le moment où ça marche vraiment, eh ben là, les structures étaient en danger, c'est vrai. Mmh. Et c'était de ma faute. Mmh. Donc j'étais pas... Voilà, après, l'histoire peut dire non. je savais que ça allait être un succès. Mais donc, en fait, vous rebondissez quand même, et puis vous décidez de quand même de renaître sous une autre, nouvelle forme, avec Saga Productions. Oui, ça c'est mon principe. Oui, dès que je suis boxeur, j'étais boxeur. Ouais. Oui, c'est le principe. Hein, dès qu'on est dans un coin, voilà. À terre, on se relève. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, Saga Productions ? Saga, je l'ai créé avec une amie, Caroline Arrigui, que j'ai connue à Paris, qui est une femme pas totalement brillante, polytechnicienne, enfin voilà. Qui travaille chez McKinsey, qui est en conseil, c'est une femme formidable. Et puis je me dis, maintenant on va faire de la vraie production. Voilà. Et donc on se crée cette société avec laquelle on fait Max Frisch, c'était le premier, je crois. Et puis après Le Chemin Perdu, mm-hmm. Puis Sauf qui peut. Voilà. Ça se passe très bien sur le film et très très mal dans les relations et je décide d'arrêter de produire après ça. Alors là, il faudrait peut-être que vous expliquiez un peu arrêter de produire. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec Godard. Voilà. Donc il faut se remettre dans la situation. Je suis le producteur des Petites Fugues. Ça a vraiment cartonné. Hein. Mm-hmm. Et le producteur de Bob Wilson. Video 50, c'est un espèce d'événement culturel, artistique, etc. C'est des petits films de 30 secondes. C'est 50 fois 30 secondes. Mais réalisé par... Bob Wilson. Par Bob Wilson lui-même. Oui. Ouais. OK. Qu'on fait dans les studios de Beaubourg. C'est un espèce d'événement culturel qu'on fait avec Lina d'abord, et puis après avec Beaubourg. Et c'est formidable. Du coup, les chaînes de télé que je connaissais avant, comme les chaînes allemandes, la ZDF, etc., ils étaient quand même très, très, très contents de moi. Là-dessus, il y a Godard qui m'appelle, qui dit ouais, je voudrais vous voir. Et il me dit j'ai deux projets. L'un, ça s'appelait The Story. Ça, il avait l'accord de Brando, de De Niro et Diane Keaton. Et l'autre, c'était Sauf qui peut la vie. Où était prévu, c'était pas Nathalie Baye, c'était Miu Miu à la place au départ. Et il me dit, il m'explique les machins, et puis il me dit, mais lequel vous voulez faire? Puis je dis, on n'a qu'à commencer par le petit, le français. Voilà. Et ce même jour, donc c'était à Rolle, dans son studio, où il sortait de la période dit Grenoble, donc toutes les recherches vidéo, etc. Et il avait fait des choses, il avait des machines 1 pouce à l'époque, ce qui se faisait de mieux. Et il y avait des mecs autour de ces machines et qui faisaient des essais. Hein. Puis au bout d'un moment de la discussion, je dis, mais c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, c'est des gens de l'INA qui sont là pour acheter le matériel. Comment ça, on va acheter le matériel? On ne sait pas comment on va tourner les films. Et puis, il dit, oui, mais il me faut de l'argent. Puis il dit, mais il vous faut combien?
Puis il me dit 75 000 francs. Et je lui fais un chèque de 75 000 francs le premier jour. Voilà. Et donc j'étais théoriquement copropriétaire du matériel. Et voilà, ça c'était une erreur fatale. Voilà, c'était donc les rapports, tous les rapports de production, tous les rapports humains de Godard passent par l'argent, ce qui me va très bien. Hein, je suis joueur, pas un joueur de, mais voilà, je veux bien avoir ce genre de rapport. Mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que moi, et donc je ne pouvais que perdre. Voilà, ce qui. À un moment donné, donc pourquoi j'ai arrêté, je me suis dit que je ne ferais plus jamais de cinéma, c'est qu'à un moment donné, on avait été arrivé à... C'était très très difficile de financer le film, parce que personne ne croyait qu'on allait faire un film, un vrai film. Et moi, je promettais à tout le monde, non, ça va être, c'est un vrai retour de Godard au cinéma. Donc le grand débat sur quel format tourner, quelle caméra, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais et donc finalement on tourne et j'avais dû évidemment mobiliser les contrats parce que de nouveau les problèmes de trésor et j'étais à une banque Paribas à Zurich et c'est un monsieur Reber, il s'appelait. Mon banquier. Et cette même banque, Paribas, était la banque de Georges Alain Vuy, mais la filiale de Genève, et d'Action, Citel Action. Et c'est cet automne-là, du tournage de Sauf qui peut, qui font tous les deux faillite. Gros, plusieurs dizaines de millions. Je ne sais pas exactement le chiffre, mais enfin, voilà, c'est à quelque part entre 40 et 100 millions. Et donc, je reçois un téléphone de M. Reber qui me dit « Il faut couvrir dans les 24 heures. » Il y a à moins 650 000 francs, un truc comme ça, ou 800 000, je ne me souviens plus. Et puis, comment voulez-vous que je couvre ? C'est juste impossible. Puis, dans une histoire de fou... Je refais des contrats où je suis finalement pas réellement propriétaire des droits. En disant, si jamais il se passe quelque chose, ça va faire une embrouille et les droits vont être chez Son Image, ça s'appelait la société de Jean-Luc. Alors donc, évidemment, je ne couvre pas dans les 24 heures et puis je prends le temps qu'il faut pour couvrir et je couvre, voilà. Et là-dessus, on dit, bon, bah, tout est fini. Le film était entre-temps en post-prod et pratiquement fini. On fait une séance, comme toujours, avec toute l'équipe à l'époque, enregistrée avec un micro, et puis qui dit, c'est OK, tu me dois encore 20 000 francs, d'accord, je te fais deux chèques, les encaisse-les pas tout de suite parce que un problème de trésor. Mais voilà, là-dessus. Et puis, les parts, je les reprends. J'avais 50% du film de Sauf qui peut. Et puis là-dessus, il encaisse l'échec. Et puis, le surlendemain, il me téléphone très tôt le matin, comme il avait l'habitude de faire. Puis il me dit, j'ai réfléchi, je préfère garder mes parts. Voilà. Mais comment il pouvait faire ça, lui ? Ben, il n'avait qu'à pas signer la rétrocession, puis voilà. Alors, je ne vois pas pourquoi, je ne comprends pas la logique, là. Ah ben, c'est un escroc. Voilà, c'est ça, la logique. C'était, j'avais mis à l'abri le film. Ouais. Si jamais il m'arrivait quelque chose de désagréable avec les banquiers... Ce qui ne tenait pas vraiment debout juridiquement. Mais enfin, bon, il était à l'abri, il était à lui. Moi, je n'avais pas le droit de le faire, ça, mais à l'époque, quand je l'ai fait. Mais maintenant, une fois que tout était rendu à la banque, j'avais plus de dette à la banque, alors ça devenait parfaitement légal. Et donc, il avait les droits, légalement. Mm-hmm. Sauf qu'il était à moi.
moralement, légal de les accords, voilà, le gentleman agreement, voilà. Et puis de dire, ben, je préfère les garder, était un tel... voilà, c'était le dernier cran, si tu veux, de la, du jeu autour de l'argent et du rapport argent dans les rapports humains. Et moi, ça m'a laissé pantois. Et je dis, bon, ben voilà. C'est quand même un cotard, hein, c'est pas... Je veux dire, je suis arrivé au cinéma, je veux dire, c'est une influence majeure, bien sûr, sur, dans mon rapport au cinéma. Donc, d'autant plus de fierté de produire, de dire, voilà, je permets une deuxième vie. Hein, parce qu'il disait toujours, on me laisse pas vivre une deuxième vie, parce qu'il avait 50 ans à l'époque. Mais dans les faits, vous lui avez permis, effectivement, d'avoir un second souffle. Hein. Il est rené avec sauf qui peut, c'est très clair, ouais. Il était mort, il avait des dettes partout, au CNC, il avait des casseroles absolument partout. Vu comme on me traitait très 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 bien à l'époque, un peu partout, j'ai permis la chose, oui. Je lui ai forcé la main, il voulait pas, le truc en... Tournée en 35, c'était une histoire hallucinante. On a été faire des essais de kinescopage à l'époque, où il y avait un seul endroit, non, il y en avait deux dans le monde, mais le meilleur c'était à Los Angeles. On a dépensé des fortunes pour faire des essais comparatifs, vidéo, transfert numérique. Vous vous souvenez les décompositions qu'il y a dans c'est pas des ralentis, hein, c'est des décompositions de mouvements, un geste, une caresse, comme ça, dans Sauf qui peut, c'est magnifique. Mm-hmm. Pour ça, on a acheté des projecteurs d'analyse de mouvements mécaniques spéciales, aussi en Amérique. Enfin, voilà. Et il y avait énormément de trucs, et puis moi je poussais au 35 parce que j'avais promis que ce serait un vrai film. Mm-hmm. Et puis que je voyais bien que c'était que ces kinescopages avaient, c'était assez merdeux. Il y a une définition, c'était assez moche, les peaux étaient moches et tout ça, et je trouvais que ça n'allait pas. Et là-dessus, on dit bon, ben voilà, il faut. Et Boviala était en train de développer la 35 de Hatton. Et on avait le prototype. Et ils n'avaient plus d'argent, machin, etc. Mais le prototype, il n'avait pas de... Il avait un miroir semi-transparent. Et puis Bertha... Et moi, j'ai toujours voulu que Bertha fasse le film. Mm-hmm. Et lui, il disait, ben, c'est Willy Lubchansky. Puis j'ai poussé Bertha quand même. Hein. Et à un moment, il dit, ouais, mais là, de toute façon, on va les engager les deux, comme ça, ils vont se parler entre eux, j'aurai plus pas à leur parler. Je dis, bon, d'accord, on engage les deux. Voilà, moi, ça m'allait, puis eux, ils arrivaient à s'arranger, enfin, c'était assez rigolo. Et, mais enfin, à un moment donné, on fait des essais avec la tonne, que j'avais payé de l'argent, enfin, bon, ouais, j'en avais assez. Parce que j'avais gagné pas mal d'argent à travers les petites fugues, les autres trucs. Voilà, ça allait plutôt bien. Et donc, on prend une Harry 35, une BL, et puis la petite Hatton. Et puis, on a le soleil dans le dos, comme ça. Puis après, on fait un panneau. Et dès qu'on est en contre-jour, le miroir semi-transparent. Fait, je boum et bleu. Voilà. Et donc, ça n'allait évidemment pas. Et elle dit, bon, bah, la petite 35, elle n'est pas mûre, ça ne marche pas, c'est ça. Il faut, allez, retour à l'atelier. Et puis, on dit, bon, voilà, la 35, c'est la BL. Ouais, mais c'est un reflex. Enfin, bon, toutes les discussions autour. Et un jour, il m'appelle, puis il me dit, non, mais finalement, on ne peut pas tourner en 35. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de caméra. Je dis, ben, on en loue une. Non, il faut avoir les caméras, il faut les avoir là pour aller faire un plan, on ne sait pas, puisque quand le seul, on... Je dis, bon, ben d'accord. Sitel, ils avaient encore une caméra, j'ai acheté une BL, la BL, avec tous les... avec
avec les séries d'objectifs. C'est Renato, c'est lui qui connaissait bien le matériel. Donc, j'ai dit, OK, on achète ça. Je l'ai posé dans le bureau, puis j'ai dit, parce qu'il parlait toujours son image, donc Saga et son image. Puis j'ai dit, Saga a une caméra. Donc, tu peux la prendre. J'ai dit, bon, d'accord. Alors, il n'y avait plus d'excuses il faut dire qu'avant ça, il y avait une votation de l'équipe. Est-ce qu'on tourne en vidéo en 35? Il avait fait une boîte comme dans les élections, etc. Après, il dépouille. On était 8. Moi, j'ai refusé de voter. Puis il dépouille. Il y a une toute petite majorité pour la vidéo. Puis il dit, bon, ben, je crois qu'on va tourner en 35. Puisqu'il y avait une majorité pour la vidéo. Enfin bon, je trouvais ça plutôt marrant. Et donc, je pose ce machin, je dis, Saga a deux. Et du coup, on commence à les repérages. Et puis, Renato qui rentre, il me dit, écoute, voilà, moi, c'est comme vous voulez. Les plans qu'on a vus, les décors qu'on a vus, si on n'a pas de lumière, eh ben il ne va rien avoir. Ça va être des silhouettes. Et du coup, j'ai acheté un camion. La lumière que Renato m'a dit d'acheter, je l'ai... Benny Lehmann était un électro, a tout arrangé, le machin, et je l'ai posé devant, sur le parking, devant Saga, le collectif là-bas. Et puis j'ai dit, Saga a de la lumière. Et donc, on peut... Mais j'étais à 200, à 300 000 francs de dépenses. Donc, donc voilà, je veux dire, j'ai vraiment forcé la main. Ouais. Puis à un moment donné, il disait... Les acteurs étaient déjà là, on avait des contrats fixes, et puis ils disaient, on ne peut pas tourner. Puis il dit, pourquoi on ne peut pas tourner? Parce qu'entre-temps, on avait tout, et il dit, parce qu'on n'a pas tout l'argent. Puis il dit, mais bien sûr qu'on a tout l'argent. Tiens, je te donne la signature de mon compte. Et le lendemain, il a tourné. Donc je l'ai quand même rendu possible, ce film. Ouais. Sans parler de Karmit, qui était distributeur dessus, mais qui voulait les petites fugues à l'époque, je lui avais pas donné, enfin c'était une salade, et qui je lui avais donné l'argent pour payer le minimum garanti du distributeur français, et en plus j'avais fait une caution bancaire pour son impôt. Alors Karmit, qui était déjà très 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 riche, mais qui voulait pas prendre de risques, etc., qui se fait passer à plus tard comme producteur du film. Voilà. Enfin, donc, c'était vraiment assez lamentable. Donc, le jour où on me dit « je préfère garder mes parts », c'était tellement... Il y a un monde de dire « non, mais ça, c'est pas possible ». Voilà, puis j'ai dit « voilà, fini le cinéma ». Donc, l'idée, c'était je produis plus. Je suis c'est fini. Fini. Voilà, voilà, j'ai pris ma voiture, une grosse bagnole à l'époque, et que j'ai fait le tour du lac, et j'ai dit « voilà, bon, je vais faire autre chose ». Et ensuite ? J'ai fait autre chose. Voilà. J'ai fait autre chose. Voilà, plein de trucs. Dont, plus tard, après, j'ai fait des expositions pour la Cité des sciences et de l'industrie. J'ai fait un très gros projet sur l'histoire de... On avait créé un espèce de théâtre et sur l'histoire de l'économie. Et on a travaillé 3 ans sur ce projet-là. Qui m'avait passionné, parce que c'était en plus ma passion, c'est l'économie. Mais bien sûr, vous allez revenir au cinéma. Je reviens au cinéma parce que je vis avec, entre-temps, avec Christine Pascal depuis plusieurs années déjà, et qui avait fait juste après le tournage des Petites Fugues, elle avait fait son premier film, Félicité. Produit par les films de Milin, donc Chardot, le coproducteur de ouais. Voilà, et l'ami de Deloc. Et puis après ça, elle est passée un très sale moment parce que plus personne voulait l'engager comme actrice. Parce qu'une actrice, une jeune femme, belle, qui fait le metteur en scène, actrice, ça va pas, ça va pas, il y a trop, ça va pas. Et c'est Sard elle a écrit avec Laurent Edman et André Marc Deloc, La Garce, film
Enfin, voilà. C'est une espèce de polar, c'est ce qu'on appelait le NQF à l'époque, la nouvelle qualité française. C'est des espèces de téléfilms pour le cinéma. Mais bon, il était pas mal, mais voilà, Raoul Coutard comme chef-op. Voilà. Mais donc, à part ça, Saga existe toujours ou n'existe plus? Non, alors Saga, je l'ai mis en sommeil. Ouais. Puis après, ça a été fermé par les autorités. Et puis j'ai recréé plus tard une nouvelle structure. Ouais. Saga. Ouais. Et alors, à quel moment Cinéma Manufacture pointe son nez? Alors après arrive donc tout ce moment où je fais 50 000 choses différentes, sauf deux films totalement inavouables, qui ne sont pas sur mon CV. voilà. Là, ça s'appelait Le Chien, Jean-François Galotte, je crois. Et puis l'autre, L'Enfant des Étoiles. Enfin, deux navets absolument terrifiants. Et Christine sort donc de la gare, très difficile, et elle écrit Zanzibar, qui raconte un peu l'histoire de Sauf qui peut, un peu l'histoire de... Voilà. Et puis on allait tous les ans à Djibouti, elle était restée à Djibouti, elle avait sa fascination pour Rimbaud, voilà, tout le Zanzibar, parce qu'on ira à Zanzibar. J'irai, mais bientôt je vais partir pour Zanzibar, enfin, le lieu où on n'y va jamais. Voilà. Et donc, elle raconte l'histoire d'un producteur qui donne tout, qui perd tout dans cette histoire. Et voilà. Alors, ce film-là, il est à un moment donné, elle arrive avec un énorme pavé qu'elle avait écrit toute seule, genre 180 pages. Elle a écrit comme une folle à Djibouti. Voilà. Et puis elle revient, puis ah, vraiment, c'est assez formidable, mais bon, machin immontable, bien sûr. Et puis on réécrit ensemble. Et puis Catherine Breillat, elle co-signe le scénario. Dans la réalité, elle n'a pas fait énormément, mais en fait, c'est une amie qui, à un moment, l'a remis au travail, c'était très important. Elle a amené des choses de Piala dans son rapport avec Piala, parce qu'elle avait connu sur Police. Et puis on réécrit le truc, et c'est Chardot qui... pas Chardot, Schlumberger qui produit, et moi je suis producteur exécutif. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris Ciné Manufacture que Yves Yersin avait monté. Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'est Yves Yersin qui est à l'origine de Ciné Manufacture. Qui avait fait la société, ouais. Et puis moi, je l'ai reprise. Peut-être, je ne me souviens pas pour ce film-là ou le Sud après. Au début des années 90. Oui, absolument. Ouais. En tout cas, je pense que pour les Indiens, ça se fait au nom de Ciné Manufacture. Non. Hein? Pas les Indiens. Ah, que non. Le Petit Prince a dit, bien sûr. Ouais. Zanzibar, ça se fait pas. Zanzibar, c'est peut-être avec Film et Vidéo Collectif. Ok. Peut-être, je me souviens plus. Ou non, ça doit être Ciné Manufacture déjà. J'ai dû reprendre Ciné Manufacture juste avant. Voilà. Mais de toute façon, oui, les structures. Moi, je me suis toujours foutu des structures. Voilà, c'est un outil. Hein, voilà, puis il est cassé, on en refait un autre. Ouais. Non, Zanzibar, pour mon rapport au cinéma, hein, c'est parce que Christine est partie à Djibouti, a écrit ce pavé de 180 pages sur mon rapport à la production, mon rapport aux acteurs, mon rapport à elle, bien sûr. Voilà, c'est ça qui m'a fait retourner au cinéma. Hein. C'est un espèce de... C'est à la fois un cri d'elle qui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de te foutre en l'air ?»
Et te dire, enfin, qu'est-ce que tu fous? Et faisons du cinéma. C'est, voilà. Et donc, c'est une formidable déclaration d'amour. Voilà, ça devait être, je ne sais pas, 87 ou un truc comme ça. Hein, quand 89 Ouais, le film, il est sorti. Ouais, ben, donc on tourne en 88. Voilà. Mais bon, c'était un long processus. Je pense que c'est 86 même qu'elle était à Djibouti, enfin qu'elle a fait ce truc. Voilà. Et voilà, ça c'est donc face à un truc, un geste aussi fort, bien sûr. Voilà. Et donc on a fait ça, mais et puis on est et puis le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de on avait une donc on était déjà on vivait depuis longtemps ensemble, on était mariés depuis 82 et donc et puis là-dessus on se lance dans le Petit Prince Adi. Ouais. Voilà. Avec une envie d'elle de parler d'un rapport d'un père et d'une fille et puis cette idée de cette mort, voilà, qui planait, voilà. Ouais. Mais là, le montage financier, donc c'était relativement facile. C'était facile. Enfin, je me souviens plus si c'était facile ou pas facile, mais ouais, parce que enfin, les gens avaient évidemment peur de cette histoire de dire oui, mais l'héroïne elle meurt, on sait à l'avance comment vous allez faire, etc. Mais Zanzibar, qui n'a pas marché du tout commercialement, il avait un gros succès culturel. Mmh. Un pacte auprès on était à Cannes, on était voilà, je veux dire, c'est un film reconnu culturellement. Ça marche jamais les films sur le cinéma, c'est toujours compliqué à faire marcher. Et puis c'était voilà. Le Petit Prince, c'est une coproduction suisse. Oui, c'est un film suisse. Oui, majorité. On est 50-50, je crois. Ouais. Donc vous gardez toujours un lien avec la Suisse. Ah, moi, on vivait là, oui, on vivait à moitié du temps ici, on vivait à Grandvaux, et on écrivait ici. À Paris, on s'était retiré après du moment difficile dans un espèce de taudis invraisemblable après. Et puis on a dit oui, mais c'est juste, je lui ai dit oui, juste pour quelques mois, tu verras, on va s'en sortir. Puis finalement, on est resté 6 ans. dans cet endroit, voilà, qui est devenu un espèce d'endroit bien, mais comme on avait ici, on avait un très joli dans une grange, voilà, donc on travaillait ici surtout. Okay. Ouais, moi j'ai cru que le Petit Prince était exclusivement français en fait. Donc, ah non, c'est un film suisse. Donc voilà. Agent de Berne, etc. etc. Ouais. Ah oui, ah oui, ah oui, télé, ah oui. Non, ouais. Mmh. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire quel regard vous portez sur la période des années 70, ce travail de producteur que vous avez mené? De travail de producteur, je ne peux pas vraiment dire. C'est, les années 70, c'est d'abord la ma jeunesse, donc c'était forcément, forcément bien. Il y avait de l'idéalisme. Une époque où on se disait voilà, que tout était possible, qu'on allait tout changer, que les rapports de travail, de production dans le sens, donc non pas de cinéma, mais de travail, la plus-value du travail allait être répartie différemment. Tous ces espoirs-là. Déçu ou pas déçu, c'est pas la question. La question, c'était un tel mouvement de libération, hein, de nous tous. Évidemment, c'était tellement différent. Tout a changé. Dans les années 60 et 70, ça s'est établi, voilà, pour se
crispé dans les années 80, qui était la décennie de la destruction. Vous avez eu envie de travailler en Suisse ou vous seriez bien parti à l'étranger ou bien c'était quand même une volonté de garder toujours un pied en Suisse? J'ai toujours eu la volonté de garder un pied en Suisse parce que c'était aussi par réalisme, hein, c'est-à-dire c'est beaucoup mieux d'être on est un plus gros poisson dans un petit aquarium. Voilà, puis c'était de l'argent. Mais un autre, d'amener même le peu qu'on pouvait amener, nous amener une liberté formidable, hein, parce qu'on finançait même 50%. Et puis on va faire ce qu'on veut, hein, parce qu'on vous emmerde, on a quand même 50%, et que personne ne nous disait rien. Donc c'était quand même une formidable liberté. Et puis, c'est difficile, j'ai évidemment beaucoup de difficultés d'apprendre les codes culturels françaises. On est pour bien toujours manger du pain des Français, hein. Même après des années, j'étais là, c'est difficile. Oui, difficile. Non, je vois que vous ne croyez pas. Non, j'ai parce que l'impression qu'en gros, vous débrouillez très très bien... En France, quoi. Mais c'est pas la même chose. Les autres se débrouillent mieux. C'est aussi mon incapacité de faire ça, ou que je voulais pas, je ne sais pas. Voilà. Non, la chose, ce qui est très différent, c'est qu'on communiquait moins, mais très différemment dans les années 70. Tu vois, voilà. Et le rapport au metteur en scène était. Si je dois le comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, la nature très différente, c'est l'exclusivité du rapport du producteur au metteur en scène. Hein, on communique, on travaille ensemble, et puis le metteur en scène, il a des rapports avec le chef-op, avec les acteurs, bien sûr, avec le monteur, ça essentiellement. Mais le producteur, c'est le vrai interlocuteur, c'est le premier qui paye sans un ticket. Et plus ça allait, plus on disait qu'il fallait communiquer, plus on communique, moins il y a de rapport avec les metteurs en scène. Parce qu'il n'y a plus d'exclusivité de rapport. On demande mon avis, mais celui de la concierge aussi, pour être méchant. Mais, c'est-à-dire... j'arrive plus à avoir de rapport. On n'a pas l'impression qu'on est indispensable à la fabrication du film. Aujourd'hui. Il y a plus rapport privilégié. Alors. On n'a plus, non. Ouais. Parce que ils ont fondamentalement, ils communiquent beaucoup plus avec beaucoup plus de gens. C'est comme quand on demande 50 avis, il n'y en a plus qu'un qui compte. Il y a une dilution. C'est le leur. Mmh. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus seuls aujourd'hui que les metteurs en scène qui communiquaient moins, mais ils étaient plus entourés. Vous dites donc qu'il y avait un rapport privilégié entre le producteur et le réalisateur à l'époque ? Je dirais oui. Mmh. Je dirais qu'il est d'une très grande... d'une nature profondément différente, beaucoup plus proche, pas seulement avec Christine, qui était ma femme en plus, mais cette manière de demander à 50 personnes son avis te rend seul. De communiquer partout te met dans une certaine solitude. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est la volonté parce que je veux être le seul qui a fondamentalement l'avis sur le film, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait malgré eux et qu'on ne comprend pas encore très bien ce qui se passe? Je crains que ça soit la deuxième, que à force de vouloir communiquer, les gens ne comprennent pas qu'ils se mettent dans une solitude plus profonde que ce qu'on avait, parce que les rapports étaient différents. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Bah ouais. Alors je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup. Merci à vous.